Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le défi des 28 jours. Mon nom est Ludovic Beuzeron et dans cette nouvelle capsule vidéo, je vais vous expliquer comment aider les autres est bon pour votre existence. Mais avant toute chose, je vous invite à liker ce court programme, à le partager auprès de vos amis et si possible à vous y abonner si cela n'est pas déjà fait. Alors, comment aider les autres est bon pour votre existence ? Parmi les 5 activités qui provoquent des émissions positives, en voici une qui m'est particulièrement chère. Il s'agit d'aider les autres. Le bénévolat est non seulement bon pour la santé morale, mais il augmente aussi votre bien-être général, le bien-être général d'une personne, et même sa durée de vie. Pourquoi ? Parce que le bénévolat favorise les interactions sociales, lui permet de rencontrer d'autres personnes, de se faire des amis, de sortir de son isolement et peut-être même de donner un sens à sa vie. Les recherches en psychologie positive démontrent aussi que le partage et les actes de bonté gratuits sont deux ingrédients importants pour être heureux. Il semblerait que le fait d'aider des gens provoque la sécrétion d'endorphines, non seulement chez la personne qui fait l'action, mais aussi chez celle qui en bénéficie, et même celle qui en est spectatrice. Vous voyez, aider les autres est un acte qui provoque des émotions positives. Alors il ne faut pas s'en priver. Et nous savons même que les émotions positives nous amènent à une meilleure vie. Ma question est donc la suivante. Qui avez-vous aidé ces derniers jours? Prenez un instant et répondez-moi dans l'espace prévu à cet effet. On se retrouve demain pour la suite de ce programme. Ciao, ciao !